Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette jolie petite blouse qui, vous allez voir, est très facile à faire. Nous allons travailler donc dans ce sens. Nous allons envelopper donc comme ceci le corps de l'ouvrage. Ce ne sera pas un ouvrage qui sera d'une pièce comme ceci et d'une pièce comme cela, ou d'une derrière et deux de devant. On va venir tourner autour du corps. Alors, on va déterminer quelle est la hauteur que vous désirez du au-dessus de la poitrine, alors jusque en crop top ou un peu comme ça, là, jusqu'en bas du ventre ou encore plus bas. Ce sera à vous de décider quelle hauteur vous voulez. Donc, on va faire notre chaînette qui sera un multiple de 4 plus 1. D'accord? Donc, vous allez poursuivre, tac, 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 vous allez tourner, 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 jusqu'à ce que vous arriviez, ben, tout simplement, avec des marqueurs, à fermer votre ouvrage et à vous sentir à l'aise dans votre ouvrage. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc, pour ça, nous faisons donc ici une chaînette multiple de 4 plus 1, et nous allons maintenant commencer par faire donc deux mailles en l'air, et nous allons faire donc des brides multiples de 4 plus 1, tout simplement. Bien, écoutez, c'est parti, on se retrouve. Alors, moi, j'ai pris un crochet en 2,75. Vous pouvez, selon votre main, travailler. Alors, moi, je travaille lâche, donc je prends du 2,75. Si vous travaillez normal, prenez du 3. Si vous travaillez serré, prenez du 3,5. D'accord? Allez, je vous retrouve quand j'ai fait toutes mes brides. Donc voilà, une fois que vous avez fini vos brides, alors moi ça va bien long parce que c'est pour Imogène, hein, vous savez qu'elle est fluette, donc voilà. Nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air, et on tourne le travail. On va venir passer donc 1, 2, 3, dans la quatrième ici, nous faisons une maille serrée. Et ça va être ce que nous allons faire jusqu'à la fin du rang. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe 3 mailles dans la quatrième, une maille serrée. D'accord? Et ça, on le fait, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Quand on arrive ici en fin de rang, qu'on a fait notre maille serrée, on repart avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne le travail et nous allons venir dans tous les petits arceaux que nous avons fait en plein milieu faire une maille serrée, pas dans tout, dans le premier, voilà, que je raconte n'importe quoi. On fait ensuite 1, 2, 3 mailles en l'air, là on prépare une bride, vous allez venir faire votre bride dans la maille serrée que vous avez fait ici. Comme ceci, voilà, et vous allez dans l'arceau suivant, et là maintenant vous faites votre maille serrée dans l'arceau, voilà, toujours aller plus vite que la musique, c'est reparti, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je prépare ma bride, je viens piquer dans la maille serrée que je viens de travailler, ici, donc je fais ma bride. Comme ceci, et là maintenant je viens dans l'arceau suivant et je fais ma maille serrée, voilà, et je recommence 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je prépare ma bride, je viens dans la maille serrée ici, je fais ma bride et je viens dans l'arceau suivant faire une maille serrée, voilà ce que nous obtenons, d'accord, c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air, je prépare ma bride, je viens dans la maille serrée que je viens de faire, je fais donc ma bride, et je viens dans l'arceau suivant faire ma maille serrée. D'accord? Mais ça, écoutez, on le fait jusqu'à la fin du rang, jusqu'à notre dernier arceau. Quand nous arrivons donc à la fin du rang, on va venir faire ici 2 mailles en l'air, 1 et 2, et dans la dernière maille ici, nous faisons une bride. Une maille en l'air, on tourne le travail.
Dans la même maille ici, on fait une maille serrée et une, deux, trois mailles en l'air. On vient ici sur l'arceau faire une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Sur l'arceau ici, on fait une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Sur l'arceau ici, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Sur l'arceau et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On vient donc faire nos trois dernières mailles en l'air. Une, deux, trois. Et dans la dernière maille ici, si elle veut bien, hop, on fait notre maille serrée pour terminer notre rang. Voilà ce que nous obtenons. Nous faisons à présent une, deux, trois mailles en l'air, on tourne le travail. Et dans chaque arceau que nous avons créé, nous allons venir faire trois brides. Donc une, deux et trois. On fait la même chose dans la maille serrée, une bride. Dans les arceaux, trois brides. Donc une, deux et trois. Dans la maille serrée, une bride. Et cette séquence, on la répète jusqu'à la fin du rang. Trois brides dans les arceaux et une bride sur la maille serrée du rang précédent. D'accord ? Écoutez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, là nous sommes revenus au niveau des brides. Donc on recommence exactement ce que nous avons fait au premier rang, au deuxième rang. Hein, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne le travail, on vient passer donc nos 3 mailles, une, ne comptant pas la première, 1, 2, 3 dans la quatrième maille serrée et ainsi de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on passe 3 mailles ici, hop, maille serrée. Donc, vous allez répéter vos motifs. Jusqu'à ce que, écoutez, il fasse le tour de votre corps et que vous soyez à l'aise dedans, même si c'est, si vous le faites long et que c'est les hanches ou la poitrine ou le ventre, que sais-je, vu qu'on va le fermer et on va s'en servir de tube, donc pas de souci, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de problème majeur. Donc, on va retravailler sur le tube. Donc, il n'y a pas de souci majeur. OK ? Donc, allez, vous vous enveloppez dedans. Pensez que ça va se croiser. Il faut que ça finisse à tout prix par des brides, bien évidemment. Ça va se croiser. Le dessus, les brides vont aller par-dessus les brides. Et on va mettre les boutons par-dessus. Donc, on termine par des brides. OK ? Allez, à de suite. Donc voilà, une fois que nous avons terminé notre longueur, on va venir donc avec notre crochet. Oups, ça c'est mon aiguille préparée. Voilà. Je vais venir donc, vous voyez, ça c'est le début, ça c'est la fin. Je vais venir superposer les deux rangs de brides et je vais venir les joindre l'une à l'autre pour former un tube en fait. Voilà, donc là je finis mon rang ici, comme ceci, et là je viens me positionner sur mes brides du début du rang et je vais venir tout simplement joindre. Voilà,
pour faire un semblant de petit gilet, hein, vous voyez, comme ceci. Ok, mais écoutez, on se retrouve quand on a fait la totalité et que notre ouvrage, pour le coup, ressemble à un tube. Donc voilà, une fois que nous avons cousu notre ouvrage, on va venir positionner de façon équidistante, c'est bien comme ça qu'on dit, nos petits boutons. Voilà, on va positionner nos petits boutons et on va les coudre, bien pour faire semblant hein, que ben, notre ouvrage est fermé. Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois que nous avons cousu nos petits boutons, on va venir reconstruire des brides, des mailles, pardon, sur la hauteur, hein, en haut, pour pouvoir travailler le haut maintenant. Alors, on va venir se positionner sous un bras, c'est mieux, ça se verra moins. Sous un bras, dans une bride, hein, comme ceci, voilà, donc une maille en l'air. Et là, on vient faire donc une maille serrée. On va venir tenir le fil pour le rentrer en même temps. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler de façon raisonnable pour pas que ça gondole. C'est ça, ni que ce soit trop serré, ni que ça gondole. D'accord ? Donc, nous allons venir faire dans les espaces ici deux mailles serrées. Une et deux. Jusque là, ça a l'air sympa. Dans le petit trou là, dans le petit espace ici, une maille serrée. Voilà. Dans l'autre espace ici, alors là c'est où il y a les brides. Hein. On vient faire deux mailles serrées. Une et deux. Dans l'espace ici, une maille serrée. Dans l'espace qui est plus grand, deux mailles serrées. Une et deux. Dans l'espace ici, une maille serrée. Dans l'espace des brides, deux mailles serrées. Et puis on fait ça, bah écoutez, jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée ici, deux ici, une et deux, une ici, et ainsi de suite. Si ça se met à gondoler, si vous trouvez que ça gondole, descendez le crochet. Si vous trouvez que c'est trop serré, montez un petit peu le crochet. D'accord ? De façon à ce que vous voyez, ça fasse une reprise des mailles naturelles. Allez, je vous retrouve quand on... Eh bien, écoutez, on a fait tout le tour et on se retrouve au même endroit. Et donc, je termine mon rang. Ici, je dois faire une maille serrée. Et là, ma maille coulée. Alors, normalement, c'est un rythme très répétitif hein, dans... le rang là, des brides, vous en faites deux, juste après une, juste après, c'est un peu plus large, donc deux, et juste après une, d'accord, et vous revenez dans le rang des brides. Donc ça nous fait 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'espace entre les brides et les prochaines brides, vous devriez avoir 6 mailles normalement, hein, reconstruites. Donc, bien évidemment, pour que ce soit aussi joli en haut qu'en bas, on va faire exactement la même chose. Quand on aura fini notre haut, on refera un rang de mailles serrées en bas pour que ça fasse une jolie finition. Là, maintenant que vos mailles sont reconstruites, vous pouvez couper le fil et rentrer le fil. Il y avait que ça qui nous intéressait de les reconstruire, hein, parce qu'on ne va pas travailler avec de partout. Ça dépend de votre taille. Et bien maintenant, on va venir travailler le haut de l'ouvrage. Alors pour ça, l'avantage c'est que nous avons fait des traits qu'on peut séparer et qu'on peut faire de façon équivalente d'un côté et de l'autre. Là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Donc je vais venir à la moitié de celle-ci, je mets un marqueur, je viens à la moitié de celle-ci, je mets un marqueur, je fais exactement... pareil derrière, et ça sera sous le bras. De notre côté, c'est homogène, elle n'a pas besoin de beaucoup plus. D'accord ? Vous faites des essais par rapport à quelle va être la distance que vous avez besoin. Peut-être que vous aurez besoin de plus, peut-être que vous n'en aurez pas besoin du tout. Ça sera à vous de voir ce que vous décidez. Ok ? Donc, moi, je trouve que c'est juste pour faire un petit espace. Donc là, pour l'instant, je vais venir travailler le dos.
Donc le dos, je vais le traiter. Alors, une chose très très importante, nous sommes ici sous le bras, comme ceci. Vous allez venir mesurer d'ici à sur l'épaule combien vous allez devoir faire de centimètres. D'accord? Et donc, de façon équivalente, de là à l'épaule, ça sera le même nombre de centimètres pour pas qu'on se trompe. Pour le dos, vous allez retirer 2 cm pour qu'on puisse venir créer un petit col. D'accord? Alors, nous allons commencer par le dos. On vient se positionner à l'arrière. On vient donc dans la bride qu'on a marquée. Et là, nous allons venir faire des résilles. Donc, pour les résilles, c'est pas compliqué. 2 mailles en l'air, une bride dans la même. Une maille en l'air, on passe une maille et dans la suivante, on fait une bride. D'accord ? Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et on va jusqu'à notre prochain marqueur. On est conscient qu'il y a une chance sur deux pour qu'on tombe juste. Hein. Mais bon, on sait s'arranger avec la réalité. Donc, quand on arrive sous le bras, hein, bien évidemment, c'est pas le bon nombre. Donc, je préfère en avoir un petit peu moins. C'est pas grave, ça fait 2 mm, donc c'est vraiment pas grave. Voilà, mais je suis dans mes résilles. Ok, là, on vient faire 1-2 mailles en l'air, on tourne le travail, hop. Et on fait une bride au même endroit, une maille en l'air, et là on va faire donc des brides sur les brides jusqu'à arriver. Alors, des brides sur les brides, comme ceci. Donc, pour ma part, je vais devoir faire 18 cm. De là à l'épaule, ok, ça fait 10... ah, bah, c'est mieux que là-dessus, pardon, excusez-moi, d'ici à l'épaule j'ai 18 cm, donc derrière je vais faire exactement pareil, 18 cm, sauf que je vais retirer 2 cm pour faire le col. Donc là je vais crocheter mes résilles jusqu'à avoir 16 cm, je vous rejoins quand j'ai fait mes 16 cm de résilles. Donc voilà, une fois que j'ai fait ma hauteur, ici, on va s'arrêter ici, d'accord? Donc là, j'ai 16 cm. Pour faire mes 2 cm supplémentaires, j'ai fait 3 résilles de plus, ok? Donc, mais néanmoins, j'ai laissé un espace pour le cou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, vous allez compter votre nombre de résilles, quand vous commencez en bas, vous comptez votre nombre de résilles. Vous en retirez 15 et le restant, vous le mettez d'un côté et de l'autre. Peu importe, quel que soit votre restant. Là maintenant, donc, une fois que j'avais retiré mes 15, j'ai fait, donc, sur ce qui me restait, j'ai fait 3 rangs supplémentaires. Donc je fais exactement pareil de l'autre côté. Il y en a 9. J'ai 9 résilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je viens ici. Hop. Et là, je viens faire donc 3 rangs de résilles supplémentaires. Comme tout à l'heure, hein, 2 mailles en l'air, une bride dans la même, une maille en l'air, des brides sur des brides, et ça, 9 résilles sur 3 rangs. Je vous rejoins une fois que c'est fait et que j'ai rentré les fils. D'accord? Donc on va se retrouver avec une symétrie avec l'autre côté. Donc voilà, maintenant que nous avons notre encolure de fête, on va venir faire, alors je vous ai préparé pour que vous puissiez appréhender ce
qu'on doit faire. Donc, c'est à c'est faire. Ça va pas être facile à voir. Vous voyez la partie avant, hein, le décolleté d'un côté, et là on va faire exactement pareil de l'autre. Alors, deux informations importantes à noter, c'est le nombre de mailles, de rangs que vous avez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans tous les cas, la partie avant devra faire 18 rangs et se terminer par 9 résilles. Pas plus compliqué que ça. Donc, là maintenant, ben écoutez, je vais profiter, je vais faire mon nœud ici, hop, comme ceci, et je vais vous montrer comment je fais pour faire cette partie-ci. Vous allez voir, c'est très facile. On va venir se positionner donc ici. Hein, on avait fait exactement pareil ici. Donc on se positionne là. Pas celui où il y a le marqueur, celui d'après. Et on repart avec nos histoires de résilles. Donc on le sait, on tire le fil. On vient s'ancrer. Deux mailles en l'air et on commence nos résilles, hop, comme ceci. Donc on passe une maille. Alors comme vous n'avez pas fait la première partie, il faudra que vous alliez au milieu, en plein milieu, hein, là où il y a les boutons, ben, en plein milieu d'un côté, en plein milieu de l'autre. Donc vous allez vous arrêter en plein milieu de l'autre. Donc on fait notre rang de notre rang de résille jusqu'au milieu de l'ouvrage. Voilà, donc là quand j'arrive au milieu ici, je fais donc ma résille. Donc vous voyez l'autre à côté, je suis bien de mon côté et l'autre de l'autre. Ok, je tourne l'ouvrage et là je vais commencer les diminutions. Les diminutions, je viens faire deux mailles en l'air et là je fais donc ici ma bride, créant ainsi une première diminution, et là je continue donc jusqu'au bout mon rang de résille normalement, jusqu'à venir me retrouver au retour ici, d'accord. Là vous avez la diminution, mais la résille d'avant. Je vous retrouve quand j'ai fait mon aller et mon retour et que je suis ici. Donc voilà, quand on arrive ici, nous avons la dernière résille qui est entière et là, la diminution. Là, nous allons venir donc préparer une résille et dessus la bride d'avant, on va faire donc une bride et on va venir ici. Vous voyez, on n'a pas fait la maille en l'air, donc il nous manque... Ça crée une diminution, ok. Donc une, deux mailles en l'air, on tourne le travail. Hop. Et là maintenant, vous allez venir directement faire une bride sur la bride. Comme ceci. Une maille en l'air et vous repartez donc pour un rang, tout simplement. Voilà. Donc on se retrouve toujours pareil ici à la dernière résille entière. Ok, on part, on revient, on se rejoint ici. Voilà, nous sommes donc à la dernière résille entière. On va venir donc faire une bride dans la bride ici. Deux mailles en l'air, on tourne le travail et on vient faire une bride dans la première bride. Voilà, on a encore créé une diminution. Ok, donc ça, ce que nous venons de faire là sur ces premiers rangs, vous allez le faire jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec le nombre
de résille que vous avez sur l'épaule. Alors moi c'est neuf, donc je me suis arrêtée. À 9. Vous voyez, là, c'était ma dernière diminution ici. Quand j'ai vu que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, je n'ai plus fait de diminution. J'ai fait 9 résilles sur 9 résilles jusqu'à obtenir la hauteur que j'avais besoin pour faire exactement comme dans le dos. Donc, c'est ce que vous allez faire. Quand vous obtiendrez le nombre de résilles équivalente à celle du dos, eh bien, vous ferez tout simplement des résilles sur des résilles pour obtenir donc la diminution et ensuite l'épaule comme ça. D'accord ? Allez, on se rejoint une fois que notre épaule est faite. Donc voilà, une fois que nous avons fini notre devant et notre derrière, il nous suffit de mettre, alors ça c'est hyper important, là on est à l'endroit hein, parce qu'il y a les petits boutons, donc on va mettre l'ouvrage à l'envers. Voilà, une fois que l'ouvrage est à l'envers, eh bien on va venir joindre les épaules. On met une aiguille, hop, et on vient joindre les deux épaules. Vu qu'on a le même nombre de résilles devant et derrière, bah, écoutez, ça va pas être bien sorcier de faire ça de façon judicieuse. Voilà, donc on va venir faire un nœud au départ. Ok, une fois que le nœud est bien fait, et on va venir prendre les brins intérieurs, voilà, de chaque maille, l'une en face de l'autre, et ça, mais jusqu'à l'autre bout pareil, on fait un nœud et on rentre le fil, et voilà. Et on fait pareil sur l'autre épaule aussi. Hein. Allez, je vous rejoins une fois que c'est fait. Voilà, une fois que nos épaules sont cousues, ben écoutez, on peut retourner notre petit top. J'ai pas rentré le fil ici, je vais le rentrer de suite. Et bien voilà, notre petit top qui était quand même assez facile à faire est à présent terminé. On pourrait améliorer les choses, faire un petit peu plus de choses, on pourrait reprendre le col, mais à mon sens ça suffit amplement pour cet ouvrage-ci. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Là aussi, je n'ai pas rentré le fil, mais je fais que la moitié des choses. Hein. Je vais rentrer le fil dessus. Ah, n'oubliez pas, oui, chose importante, de venir refaire en bas. Enfin, c'est à vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas. C'est pas si moche, en fait. Hein. Voilà, là, c'était important pour faire les résilles en haut, mais en fait, c'est pas si moche. Donc, voilà, si vous sentez de le faire, faites-le. Si vous ne vous sentez pas, ne le faites pas. Aucune obligation. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Je n'ai pas fini mon tuto. Moi, je fais comme si. Hein. Non, mais je vous mets la photo parce que là, c'est vraiment pas grand-chose à faire. C'est juste rentrer le fil. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, vraiment ça m'encourage, ça me dit quand un tuto a plu ou n'a pas plu. J'aimerais bien que celles qui laissent les pouces en bas me disent pourquoi, ça m'améliorerait. Vous voyez ce que je veux dire, que ce soit positif. Bon, maintenant, si c'est parce qu'elle m'aime pas, ça c'est, vous savez, on peut pas revenir à tout le monde, hein. Je le conçois. Voilà, donc si c'est un problème de tuto, mettez-les-moi dans les commentaires. Si c'est pas un problème de tuto, ben écoutez, faites comme vous le sentez. J'espère que ce petit pas à pas vous sera utile. Si c'est le cas, ben laissez votre petit pouce en l'air. Et puis surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.